Attends, je vais te la mettre autre part. Oh non, je veux pas ça. Putain, tu l'as vu? Bah tu la verras plus, donc j'aurai pas le droit de pénétrer dans ton cul. J'allais jouer. Eh bah tant pis pour toi, il te reste les yeux pour pleurer, pour toucher ta tes doigts. Putain, j'en ai plein le cul, pas pouvoir bourrer le sien, il me reste quoi moi? La chatte et les seins. Ouais, les mains et puis la bouche aussi. Mais question sodomie, je peux vraiment pas parler, c'est parti. Hardcore jusqu'à la moelle, je kiffe l'anal. Quand j'ai pas ton trou, je deviens fou, je fais un scandale. Pourtant ça m'obsède. Dans mes rêves, j'vois ton anus qui cède. Et là, je te bourre le fion face au hardcore. Je touche le fond, je creuse encore. C'est pour les PD, moi j'y vais à sec avec du gravier. Dans ton anus, ça va faire mal. On va frôler la viscère anale. Et prends le pas de plaisir, j'suis pas la cour. J'ai tellement ton cul, quand tu bailleras, on verra le jour. Pas de pitié, pas de tendresse. Soit c'est patate dans tes fesses. Elles vont tatouer, percer, elles s'épilent le poil. Et maintenant elles vont dire que la sodomie ça fait mal. Putain, si j'avais un diam à la place du clan, j'te jure que pour y aller, j'aurais pas besoin de lutter, j'aurais bon. C'est comme ça et c'est pas autrement. Pour cet emplacement, c'est uniquement pour les excréments. Pourtant, j'ai vu des films où ils faisaient autre chose. Avec où les meufs étaient contre vécu et les mecs, bon, les secs. Tu bois quoi? Tout ce que tu veux là. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir te mettre? Je te mets un, deux, trois doigts. Faut préparer le terrain pour l'anaconda. Écarte les pattes et détends-toi. Ça y est, je rentre en toi. Tu parles de sodomie. Je rentre en frénésie. Je crois que je perds vite la tête quand ça sent trop l'andouillette. Je perds la raison quand je vois trop d'envions. Je te fous le fion face au hardcore. Je touche le fond, je creuse encore. La vaseline c'est pour les PD. Moi j'y vais à sec avec du gravier. Dans ton anus ça va faire mal. On va frôler la fissure anale. Et prends pas de plaisir, je suis pas la cour. J'ai tellement ton cul, quand tu bailleras on verra le jour. Pas de pitié, non, tendresse. Sors ces patates dans tes fesses. Je vérifie par un toucher rectal qu'il n'y a pas de problème et d'obstacle et qui permettra la défécation. Et vous comprenez aisément que quand la manchette va se gonfler, elle va venir occlure le canal anal.